Lorsqu'on veut faire imprimer un document à la bibliothèque via notre ordinateur portable ou notre téléphone intelligent, on se rend sur le site impression.grabby.ca ou sur notre site Internet pour cliquer sur l'hyperlien menant à Papercut. Lorsqu'on arrive sur Papercut et que nous possédons une carte loisir valide, on a simplement à entrer notre numéro de carte loisir là où il y a le nom d'utilisateur et notre NIP là où il y a le mot de passe. Si on ne possède pas de carte, on peut cliquer ici pour ouvrir un formulaire. Donc, on entre les numéros sur la carte, on entre le NIP à quatre chiffres et on appuie sur Connexion. En arrivant ici, on est directement sur la page pour imprimer, sur le web tout plus. On a envoyé un travail ici et c'est sur quoi on clique. Ensuite, on a un choix d'imprimante. La première imprime en couleur recto et la deuxième recto verso et noir et blanc seulement. Donc, la deuxième imprimante est une version économique. On clique sur Options d'impression quand on est terminé. Les options sont les suivantes. Combien de copies on veut et c'est tout. Ensuite, on clique sur Document envoyé. Et ici, on doit trouver un document dans notre ordinateur. Le document doit être enregistré sur l'ordinateur ou sur le téléphone pour pouvoir l'envoyer dans le web to print. Donc, on doit aller le sélectionner par le menu Parcourir et cliquer sur Ouvrir. Par la suite, simplement à cliquer sur Envoyer et terminer complètement en bas de la page.